Bref, j'en suis en train de vous aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve du coup pour une vidéo assez spéciale. Parce que du coup les amis, aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui nous allons faire un ne choisissez pas le mauvais portail sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir les amis derrière moi, nous avons donc du coup trois portails géants. Alors on aura du coup aujourd'hui le portail de Roblox, celui de Fortnite, et pour finir les amis nous aurons celui de GTA 5 que l'on garde encore une fois. Parce que je sais que vous avez beaucoup aimé ces trois épisodes là qu'on avait fait avec l'épisode, sauf que cette fois-ci ce sera encore un petit peu différent parce que on va faire ça avec des portails, voilà. Donc du coup justement qu'on commence la vidéo, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne, que tu mettes aussi un petit pouce bleu. Dès maintenant je compte sur vous pour que toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, que tu t'abonnes si tu ne l'as pas encore fait, parce que je sais qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? C'est totalement gratuit, un jour ça deviendra payant et là du coup tu ne pourras t'abonner à aucune chaîne. Donc dès maintenant profites-en pour t'abonner à ma chaîne le temps que ce soit gratuit, parce qu'un jour ça deviendra payant et tu pourras t'abonner plus à aucune chaîne. Donc du coup voilà, abonne-toi bien à ma chaîne. Et du coup c'est parti, on va directement commencer la vidéo avec la base de Fortnite. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va directement rentrer dans ce petit portail les amis, dans le portail de Fortnite comme vous pouvez voir qui est écrit juste là. Et moi je vous dis du coup c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Ok, donc du coup c'est bon, je viens du coup d'arriver dans la base de Fortnite. Oh, salut toi, comment tu vas? Salut, ça va? Ouais, ça va super, et toi? Ouais. Bon, les amis, donc du coup je suis avec un Bambi qui joue à Fortnite. Donc du coup, juste une petite question Bambi, quel code créateur tu as mis dans la boutique? Est-ce que tu aurais pas mis par hasard ce code créateur qui est juste écrit ici là? Ah ouais. Ouais, donc du coup voilà, pour tous les abonnés qui regardent mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique, parce que tout simplement j'organise souvent des concours pour ceux qui les mettent, et uniquement pour ceux qui les mettent. Donc du coup dès maintenant n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Regardez le code, c'est tout simplement twinner-du-bas-xr, c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, et du coup ça m'aiderait beaucoup, ça m'encourage même à continuer les vidéos Fortnite pour ceux qui aiment bien les vidéos Fortnite. Et du coup aujourd'hui tu m'as appelé pourquoi Bambi? Du coup tu veux qu'on fasse quoi? Tu peux m'entraîner au build fight. Tu veux que je t'entraîne au build fight? Ah, c'est vrai que ouais. La dernière fois, si vous vous rappelez les amis, le Bambi m'a simplement proposé que je fasse un 1v1 contre lui. Donc du coup aujourd'hui on va lui apprendre à faire du build fight, donc c'est parfait. Allez, viens avec moi du coup Bambi. Tiens, je vais te donner du coup tac, voilà tes petits trucs dont t'aurais besoin pour build. Alors du coup tac, voilà, on va peut-être même prendre un petit peu plus d'escalier, hein, on sait jamais. Tiens, voilà, là ça devrait être pas mal là. Nickel, bon allez vas-y viens, on va aller dehors du coup, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, tout d'abord on va devoir poser des blocs comme ceci, je sais pas si tu vois. Attends, juste par contre, sur Fortnite il faut que tu prennes ça là pour les blocs. Voilà, prends ça, nickel, c'est parfait. Alors du coup je t'explique, déjà dans Fortnite ce qu'on va faire c'est qu'en fait tout simplement, ce qu'il faut faire c'est que tu poses truc comme ça. Ensuite, ah oui, c'est vrai que je t'ai pas montré mais il faut aussi que tu aies des blocs normaux, hein. Il faut genre des planches comme ceci, tac, voilà. Tiens, prends ça. Voilà. Nickel, c'est parfait. Bon, du coup, je te montre un petit peu comment ça marche pour faire des escaliers sur Fortnite. Tu fais tac, tac, hop. Ensuite, tu continues, tu fais demi-tour et hop. Et hop, voilà, tac. Tu fais tac, tac. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je fais, mais en gros, tu dois faire un truc comme ça. Vas-y, essaye de faire. Ah ouais, ok. Attends. Ça, c'est super important dans Fortnite pour être super rapide. Après, tu sais quoi, on fera même une course de celui qui le fait le mieux et le plus rapidement possible. Parce que c'est super important de faire ça rapidement. Genre, tac, regarde comme ça. Tac, 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 tac. Enfin, bref, tu vois, il faut vraiment foncer super vite, hein. T'inquiète pas, n'aie pas peur de mettre des blocs, t'inquiète pas, j'ai plein de blocs. N'aie pas peur d'en foutre partout si tu veux, hein. T'inquiète pas, ça ne fait pas, ça fait rien. Bah franchement les amis, pour l'instant ils se débrouillent pas trop mal non plus. Bon, ah ouais, bon. C'est vrai que c'est encore un peu moyen, mais regarde, je te montre. En fait avec l'entraînement, petit à petit tu vas peut-être même réussir à faire ce que je fais moi. Donc du coup voilà, lâche rien, continue à t'entraîner parce que je pense qu'un jour tu arriveras peut-être même à faire des bons trucs et tout. Donc du coup voilà, entraîne-toi bien, je pense qu'un jour tu pourras y arriver. Donc du coup, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse un autre truc que du build fight? Je vais te montrer un petit peu comment poser les murs, tiens. Viens. Oui. Bon du coup c'est parti, alors je t'explique. Imagine là par exemple t'as un ennemi qui... Imagine t'as un ennemi là et oh, qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est pas bien, c'est pas comme ça. Faut pas tourner dans tous les sens. Si tu vois un ennemi devant toi, tu fais comme ça, tac, hop, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut que tu poses juste devant toi et pas partout comme ça, genre pas faire comme ça parce que ça c'est nul, ok? Ce qu'il faut que tu fasses, par exemple, imagine toi t'es là, tac, moi je fais directement ça, tu vois, tac, comme ça. C'est exactement ça, et puis après je prends la hauteur et tac, je te mets des balles par exemple de dark, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Et là, tac, et là je te tire à l'arc, et voilà. Bon, du coup voilà, ça c'est juste une petite technique comme ça par rapport à ça. Du coup, est-ce que t'aurais d'autres questions à me poser ou non? Comment on tire? Comment en quoi? Comment on tire? Sur Fortnite? Alors du coup je t'explique, alors ça c'est encore un autre truc. Bon du coup j'imagine que toi tu joues sur PS4 toi, parce que c'est en direct, t'as une console. Donc du coup ce que tu fais c'est que tu vas cliquer sur le bouton L2 comme ceci, donc ça va faire viser. Et ensuite après tu vas lâcher le bouton et tu vas voir que ça va tirer la flèche. Comme ça. Regarde, attends, tac. Attends, on va tirer dessus, voilà comme ça, tu vois. Tu vois comme ça.
Bon bah. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Bon voilà. Bon les amis, à mon avis, il n'y a plus beaucoup de villes, les amis, le joueur Fortnite, donc du coup voilà. Bon, du coup moi je vais rentrer chez moi maintenant, je pense qu'il est peut-être temps que je rentre chez moi. Est-ce que tu aurais pas un petit cadeau pour moi à m'offrir avant que je parte d'ici? Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et ça ne serait pas de refus si tu m'offrirais pas un petit cadeau là comme ça avant que je parte d'ici. Oui, ouais. Regarde. Ouais, vas-y. What? Ok, d'accord, donc les gars, le joueur Fortnite vient de mourir devant mes yeux, ok. Bon, et bah du coup, je crois que ça veut dire qu'il vient de m'offrir son stuff, je pense, hein. C'est sûrement ce qu'il voulait me dire, quoi. Bon, j'aurais pas eu le temps de lui dire au revoir, mais bon, c'est pas grave, les amis. Donc du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que je reprends le portail et on se retrouve, du coup, à la seconde base, les amis. On va maintenant aller à la base, du coup, de soit Roblox, soit GTA. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et du coup les amis, on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Donc du coup c'est parti, comme vous pouvez voir, nous avons le portail de Roblox qui est ici, le portail de GTA. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires entre ces trois jeux lequel est votre préféré. Donc du coup vous avez le choix entre celui de Fortnite, de Roblox et de GTA 5. Donc n'hésitez pas tous dans les commentaires à me le dire dès maintenant. Et nous c'est parti, tac, on entre dans le Nether. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Donc regardez encore une fois ici, écrit Roblox, 3, 2, 1, let's go. Ok, bah je crois qu'on est bon ici. Alors attends, c'est quoi ce bouton là? D'accord. Oh, 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 je t'avais pas vu, pardon. Salut Roblox, ah, ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va tranquille, toi? Ouais, ça va, tu fais quoi? Bah, moi, je suis venu ici parce qu'apparemment, t'as... Bah, apparemment, justement, je suis venu ici parce que t'as... Apparemment, j'ai cru entendre qu'apparemment... Enfin, j'ai dit plein de fois apparemment. Il y a un personnage, du coup, qui s'appelle... je sais pas comment. Et il m'a dit qu'il fallait que je vienne ici parce que t'avais une mission pour moi. Ouais, justement, en fait, tu vois, j'ai hyper chaud, comme toi, ouais. Je parie. Ouais, moi aussi j'ai super chaud, c'est vrai que ouais. Du coup, ça te dit on crée une piscine ou un jacuzzi? Oh, un jacuzzi. Bon, vas-y, viens. Vas-y, ça me dit moi en tout cas de faire une petite piscine. Bon, et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire les fondations du coup de ta petite piscine. Bon, allez, on va se faire un truc sympathique. Tac, tac, tac. Allez, on va se faire allez, ça comme ça. Hop, voilà. À l'aise. Attends, je suis en train de réfléchir à comment faire ta petite piscine là. Tac. Oh, ouais. J'ai un bon bail là, j'ai un petit truc là qui arrive là. Tac. Voilà. Et là, hop. Voilà, nickel. Bon, du coup, voilà un petit peu les fondations de ta piscine. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi si t'aimes bien déjà un peu ou pas. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Et bah, si c'est pas mal, moi ça me plaît. Bah, parce que moi, du coup, j'aime bien un petit peu les fondations de la piscine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être même te la faire en blanc plutôt. Ça va être un petit peu mieux. Donc, tac, c'est parti. Hop. On va du coup, les amis, s'attaquer du coup à la petite piscine pour commencer. Alors, vas-y, Roblox, je t'aime juste à creuser sur les côtés, toi. De genre de 2, de 3 de profondeur, je pense que ce serait pas mal. Ah, tu mets en. Vas-y, on va mettre en box de quartz. Attends. On met des blocs de quartz, t'as raison. Tac. Voilà. Tac, ça va être un petit peu mieux comme ceci. Voilà, bon bah les amis, franchement je pense que ça peut être déjà un petit, c'est déjà un bon début je trouve. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez vous une piscine dans votre maison ou pas. Personnellement moi j'en ai pas, mais bientôt j'en aurai une, vous allez voir, c'est sympathique. Tac tac tac, donc du coup on va casser par ici. Alors du coup voilà, tac. Voilà, ok, nickel. Bon, c'est parfait, hop. Nickel, 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 voilà. Bon bah du coup Roblox, je sais pas ce que t'en penses pour l'instant de ta petite piscine, dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Ouais, pas mal. Pas mal, ouais, bon, si c'est juste pas... Wesh. Wesh. Un taille. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'attends, je vais mettre sur les côtés. Par contre, juste un truc, je te laisserai remplir l'eau, parce que, bon, j'ai déjà pas mal rempli d'eau, moi, ces derniers temps, donc du coup, là, il me reste plus beaucoup de réserve d'eau, d'accord? Donc, je te laisserai remplir l'eau, et fais attention, parce que l'eau, il y en a pas beaucoup non plus dans le monde, hein, donc faut pas la gaspiller maintenant, l'eau, hein, très important. On ne gaspille pas l'eau, d'accord? D'accord. Voilà, donc c'est très important. J'espère que t'es un bon nageur Roblox parce que c'est important aussi de pouvoir nager. Tac tac tac. Allez, ouais, on va faire comme ça. Et on n'a plus qu'à faire ce côté. Et puis après, bah, chance qu'on pourrait y aller. Du coup, Roblox, t'aurais pas un petit cadeau pour moi aussi avant que je parte parce que là j'ai presque fini ta petite base. Ouh, je... Non mais là, regarde, là, t'es en train de gaspiller de l'eau. Vas-y, ferme vite, ferme vite. Non mais n'importe quoi, Roblox. Oh. Oh, désolé. Non mais n'importe quoi, toi là. Hein. Franchement. Allez, du coup, tac, on va fermer sa petite base. Hop, voilà. Hop, voilà. Je suis bien trop loin. Voilà, nickel. Bon, c'est parfait. Il manque plus qu'un petit bloc ici, je crois. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, moi, je vais te laisser Roblox. Tu aurais pas un petit code pour moi avant que je parte. Parce que là, voilà, je t'ai quand même fait une jolie piscine. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, je l'aime bien en tout cas. Hein. Moi, je l'aime bien. Dis-moi juste bah, si toi, t'aimes bien. Et si t'aimes bien, bah, tu m'offres un petit cadeau avant que je parte d'ici. C'est un petit peu la seule chose que j'attends, quoi. Oh, tu m'offres de l'eau? Ouais, parce que je t'ai dit que j'en avais pas beaucoup, c'est ça? Ouais. Et bah merci beaucoup. Bon, et bah du coup voilà pour ce qui est du cadeau de Roblox. Il m'a offert du coup une bouteille d'eau, enfin un grand seau d'eau. Donc du coup ce qu'on va faire c'est les amis, c'est qu'on se retrouve dès que je suis directement rentré dans le portail de bah, l'endroit où on est normalement. Et on se retrouve du coup pour la base de GTA. Allez, à tout de suite.
Les amis, par contre, juste un petit problème, c'est que le portail de GTA 5 ne marche plus. Il y a un petit truc qui dysfonctionne, quoi, et donc du coup, voilà, ça ne marche pas. Donc du coup, nous, c'est parti, tac, on va sur le côté, et hop, on entre directement dans la base, du coup, de GTA, hop, voilà, nickel. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais directement mettre un petit wagon, du coup, voilà, hop, voilà, un petit wagonnet, nickel, comme ceci. On va le foutre ici, et c'est parti, du coup, on va, du coup, en direction de la base de GTA. Donc pour cette base par contre ce sera la même base que la dernière fois, parce que le portail, comme je vous ai dit, GTA bug. Donc du coup voilà, ça a fait que je ne peux pas aller dans le vrai GTA. C'est un petit peu dommage, mais vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo on pourra pourquoi pas le faire. Donc du coup voilà, alors juste petite question, est-ce que bah du coup un personnage est là? Attends, parce que là j'ai cru voir un truc. Ok, oh, oula. Salut Trevor. Ouais salut. Ça va mec? Ouais ça va. Oula, t'as une voix un petit peu bizarre par contre, t'es sûr que tout va bien là? Parce que, waouh. Ouais, je suis recherché par la police là. Oula. Faut que j'ai des... Oh mais quoi, t'es recherché par la police? Ouais, mince. Attends, mais t'as combien d'étoiles sur GTA là? T'as combien d'étoiles? Ah, j'en ai 10 là. 10 étoiles, oula. Bon, les gars, je crois que Trevor est super recherché par la police, pour ceux qui connaissent un petit peu GTA. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez bien vous, Trevor, dans les commentaires. Quel est votre personnage préféré dans GTA 5? Si c'est Trevor, Michael ou Franklin, pour voir un petit peu lequel est votre préféré. Moi, c'est vrai que j'aime quand même pas mal Trevor, parce que c'est un petit peu un foufou dans sa tête. Mais bon, ouais, du coup, on va. Bah, je vais t'aider à déménager. Donc, du coup, tu sais quoi? Je vais mettre tout ce que tu as chez toi dans un coffre, dans les coffres qu'il y a là, okay. Là, comme ça, tu pourras emménager plus vite, d'accord? Tu pourras partir plus vite, d'accord? Allez, nickel. Okay. Bon, du coup, tac, je mets ton canapé, hop, voilà. Pardon, voilà ton canapé. On va mettre aussi ton lit maintenant, tac, voilà, hop. Tac, on va juste lui redresser son lit, les amis, tac, on va lui mettre maintenant le lit en vert. Tac, voilà, lit vert comme ceci. Hop là, vas-y, on met ça aussi là-dedans. Nickel, bon, on va ranger maintenant la table aussi, parce que les amis, la table c'est super important, il faut la dégager vite. Voilà, la télé aussi. Hop, tac, on casse, tac, voilà, hop. La télé, les amis, qu'on va mettre du coup juste ici avec la petite peinture, les amis, pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Ok, bon, et bah du coup là je pense qu'on a déjà pas mal vidé déjà le petit coin. On a plus qu'à ranger la cuisine et je pense bah qu'on sera bon. Je sais pas ce que t'en penses toi, Franklin, oui. Trevor, pardon. Ouh, c'est quoi tout cet argent là? Ouh, c'est pour la banque là. Ouh, c'est quoi tout cet argent? Ah, c'est pour la banque. Ouais, c'est... J'ai braqué la banque. Et ton papier là. Ah, tu l'as... Ah oui. Ah bah oui, bah du coup tu l'as braqué la banque, tiens, pardon. Bon, par contre, voilà, j'ai ça. Bon, tiens, je te redonne tout. Hop, voilà. Ouais, merci. Bah, t'inquiète pas, je suis pas un voleur, moi, de toute façon. Par contre, j'aimerais bien avoir un petit cadeau maintenant que je t'ai aidé à déménager. Il y a tout absolument dans ton coffre. Je t'ai même mis ça dans un coffre pour te montrer à quel point je suis gentil. Tiens, c'est quoi? Je t'enlève le deuxième coffre et je vais te mettre le coffre dans le coffre. Voilà, nickel. Bon, du coup, t'arrives pas un petit cadeau pour moi à m'offrir avant que je parte? Ouais, tiens. Oh, là, les amis, je pense que. Wow, Trevor, tu m'as donné un stack de diamants! Ah, ça fait super plaisir. Bah merci beaucoup en tout cas Trevor. Ça fait plaisir de pouvoir que je peux encore compter sur toi mon ami. Du coup bah moi je vais devoir y aller, je vais te laisser tranquille parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Et du coup on se revoit un autre jour, d'accord? Ok. Allez, à plus, je t'ai mis tout dans le coffre, d'accord? Ok, ouais. Allez, bye. Bon, et bien du coup, comme vous avez vu, les amis, c'était plutôt cool aussi du côté de chez Trevor. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il a été en tout cas super sympa de sa part de m'avoir offert un stack de diamants. Si vous vous rendez compte un petit peu de tout ce que ça représente, c'est quand même un truc énorme. Donc, du coup, voilà, les amis, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre aussi un petit pouce bleu. Il y en a plein qui oublient de s'abonner à la chaîne. Donc, encore une fois, je vous le demande et je vous propose de vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et il y a plus de 70% des gens qui ne l'ont pas fait. Donc, dès maintenant, toi qui regardes la vidéo, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et nous, on se retrouve demain pour une vidéo. Allez, ciao ciao. Hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.